Salut à tous et bienvenue sur le stream de la beauté, sur le stream de la luxure, sur le stream de la tout ce qu'on veut, sur le stream de tout, sur le stream de l'amour, sur le stream de la barbe, sur le stream des poils. C'est Vacherem, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Vous avez passé une belle journée et qu'on va clôturer ça tous ensemble. Pour toujours plus de JRPG, toujours plus de scénettes, toujours plus de discussions, toujours plus de trucs qu'on comprend pas. Et voilà, ça va aller tout seul. Allez, bon, on était à l'aqueduc souterrain de Vivia. On avait un petit peu tout cleané, je pense. Et le but, c'était de sortir déjà dans un premier temps. Donc voilà. Et directement, on tombe sur une scène magnifique. Mais il a dit qu'il attendait à l'auberge pourtant. Mais arrête de gueuler! Ah, ça fait plaisir de... Ça fait plaisir de finir la journée en mode stream, en mode tranquille, en mode pyjama, en mode cool, c'est bien. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que chaque journée je vais au boulot, ça me fait chier d'aller au boulot, je passe ma journée avec mes collègues, j'essaye de passer la meilleure journée possible, souvent c'est le cas hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est toujours le petit moment sympa. Je rentre, je bois une tasse de café, je vais me laver, je fais des bisous à mes enfants, et puis je viens vous retrouver avec le plus grand plaisir, et on continue les JRPG les plus sombres de l'histoire, donc c'est magnifique. J'adore. Voilà, après cette déclaration d'amour, on va continuer à fail sans aucune limite, évidemment. Et on a vite remplacé Mikleo hein, depuis qu'il y a des boobs. Ok, bon. Alors, ça doit être par là. Ah oui, on a le pouvoir. C'est vrai qu'on a le pouvoir de... C'est vrai qu'on a le pouvoir d'aller... d'ouvrir certains coffres maintenant. Donc, on va aller jeter un œil. Parce que je pense qu'il y avait quelques coffres... qu'on pouvait ouvrir. Bon, pas ici, en tout cas. On va essayer de rechecker un petit peu les coffres. À gauche, à droite... Ah voilà, peut-être celui-là. Ah merde. Ah oui, c'est le gars dont on a sauvé la vie, oui, c'est vrai. C'est le fameux ouvrier. C'est pour ça qu'on était descendu à la base, en fait. Ah mais toi, t'as une vision, franchement. Ça se voit que je suis berger, non ?
Un petit peu de respect, bordel. Et encore, t'as rien vu. Il va faire la tournée des bars avec les ouvriers. À finir complètement déchiré. Salut les prolos! Bon, allez, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Elle est toujours verrouillée, ok, d'accord. Donc c'est pas avec la bonne clé, visiblement. Ah, celui-là bien, par contre. Botte d'ambre. Ok. Il y avait qu'un coffre ici, hein, je pense. Ouais. Ok, ok, ok. Tac, 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 tac. Alors, on est où ici? Ouais, ok. Je pense qu'il y avait des coffres d'eau sanctuaire de... Sanctuaire. Bah, de toute façon, on va refaire un tour. Oh, Niala, comment ça va? Ça fait plaisir. J'espère que tu as passé une bonne journée. Que ton travail s'est bien passé. On a effectivement donc un peu streamé dans la matinée. On a fait les souterrains de l'Aqueduc. Où on a découvert le fameux super pouvoir de la mer qui tue. Et où Mikleo s'est barré parce qu'il était un petit peu jaloux de Mademoiselle Boops. Parce que voilà, parce que je l'ai renvoyé chez lui sans aucun ménagement. Et donc voilà. En tout cas, j'espère que tu as passé une belle journée. Que le boulot n'était pas trop dur quand t'as pas pris la tête et tout et tout et tout et tout. J'ai rattrapé ma nuit cet après-midi. Ah bah ça c'est cool ça. Ça c'est cool, du coup t'es en pleine forme, c'est magnifique. Et moi aussi, moi franchement j'ai passé une super journée avec des super collègues. Et ça fait plaise. Ça fait vraiment plaise. Donc c'est plutôt cool. Je suis content, on en profite de temps en temps quand c'est comme ça. On va aller jeter un œil là-bas pour voir si on n'a pas oublié de coffre. Un peu trop. Je vais pas dormir tout de suite, je pense. Ah bah oui, écoute, bah c'est magnifique. Tu vas pouvoir avancer dans le monde de Monsieur Akira Toyama. Dans le monde de... J'ai oublié qui est le producteur de... Je l'ai su en plus, c'est... Ah merde. Enfin soit, peu importe. Tu vas pouvoir avancer dans Dragon Quest, quoi. Ou pas, ou rester avec moi et... Ouais, mais 10-20 demain... Ouh, ça s'applique, ça, 10-20. Ah, je suis désolé de l'entendre. Ici, il y avait deux coffres. Ah oui, mais c'est un coffre en argent, donc je pense pas qu'on puisse t'ouvrir, non. Et l'autre à côté, je pense que c'est aussi en argent, donc je pense qu'on pourra pas non plus l'ouvrir. Ah non, c'est un coffre en bronze. Ah merde, mais c'est de la triche ça! Mais, c'est verrouillé. Bordel! Ok. Là on est passé. Quartier de la noblesse, on y est allé. Le sanctuaire, on a fait. Donc, par là du coup. Donc le but ici, ça va être de rechercher... Ah oui, non, rendez le couteau à Alicia.
Ah ok, d'accord. Donc il va falloir repasser de toute manière dans le au truc au comment dire? Il va falloir repasser. Je vais aller me coucher et rester sur le stream plutôt. On verra pour avancer ce Dragon Quest ce week-end. Ah ok, d'accord. Bah écoute. Je suis heureux de t'entendre dire ça, donc c'est cool. On va rester. Tu vas rester avec moi du coup. Ça c'est parfait. Qu'est-ce qu'elle a laissé sur le. Je peux pas re-rentrer? Non? Ah si, ok. Ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas un coffre ou un truc comme ça? On ne sait jamais. On peut pas rentrer dans les. Ah si, on peut rentrer là-bas. Il n'y aurait pas un coffre caché ou une connerie là-bas? Non? Non, il n'y a pas. Il n'y a rien du tout. Il y a par des cadres. Ça va, elles sont cosy les chambres, c'est cool. Alors, est-ce qu'on peut équiper quelque chose? Ok, ah, on peut faire un anneau du néant plus 3. Et des bottes d'ambre plus 2 du coup. On va regarder si on peut pas faire ça. Fusionner. Fusion. Ok. Je pense que c'est tout. Hein. Ah non, la tierre d'ambre, on peut aussi faire une tierre d'ambre plus 1. Non, c'est... Ah non, ok, un du néant plus 3. De quoi? Qu'est-ce qu'il a mis? J'ai pas vu. Et si on faisait un anneau du feu plus 1? On va faire ça, ouais. Tac, et on va équiper l'anneau du néant à... Non, non. On va faire ça avec celui-là. Voilà. Ok. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Chaîne scellée, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi il a scellé le truc? Est-ce que tu sais me dire pourquoi... comment on décèle... Accumule... vous pouvez activer des compétences bonus... blablabla... Blablabla. D'accord, mais... Pourquoi c'est scellé? Qu'est-ce qui se passe? Bon, soit, c'est pas grave. Ça remonte à trop loin. Bon, ok, pas de soucis, écoute, c'est pas grave. On va... On verra ça... on verra ça, je présume, un moment. Bon, rendez le couteau à Alicia. Donc, il faut qu'on retourne, je présume... au sanctuaire de la Dame du Lac. Qui est là-bas. J'aime bien toutes les... et la gestion de l'équipement avec cette histoire de cumul, j'ai jamais maîtrisé. Oui, c'est ce que tu me disais. Bah après, moi, ça m'a pas l'air compliqué. Mais peut-être que j'ai pas tout, tout capté. Hein. Pour moi, plus tu mets dans un élément, plus tu le renforces, quoi. J'augmentais un peu mon équipement à l'arrache. Bah oui, j'imagine bien. Mais elle est où, notre chère Alicia, là? Je vais bien, mais elle est où?
Mais non, elle est pas là. Attends, que je dise pas de bêtises. Bah ouais. Ça doit être au sanctuaire de la Dame du Lac, elle est. Mais dans la pratique, ça me paraissait plus compliqué. Oui, bah oui, je jouais. Ouais. C'est vrai que. Il y a eu pas mal de RPG à une certaine époque qui ont voulu amener des nouvelles dynamiques, mais pas toujours de manière très. Très. Très subtile. Et des fois, tu comprends pas toujours le but du truc, quoi. Mais elle est où, Alicia, là? Bonjour mon père, excusez mon fils qui ne cause que des ennuis, je l'ai grondé comme il se doit, vous pouvez en être sûr. Nous sommes quittes, n'est-ce pas? Ben oui, visiblement oui, puisqu'il répond même pas. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Je vois pas du tout où elle est. Ah ben voilà. J'ai la petite étoile. Ah oui, d'accord, elle est. Oui, c'est vrai que là j'avais pas fait. J'avais pas été voir. Effectivement. Pardon. Effectivement. Je vais quand même aller voir là si j'ai pas zappé un coffre ou l'autre. Alors désolé, hein, mais je fouillote. Mais non, je pense qu'il n'y a pas de coffre là-bas. Je vais quand même aller voir par. T'es pas encore parti de Damlac? Ben non, visiblement non. En fait, j'ai fait juste le petit donjon. Le petit donjon en dessous du truc, quoi. Du. Comment dire? Du. De l'aqueduc. Et là, je dois partir pour aller retrouver. J'ai oublié son nom. J'allais dire Dohalim, mais Dohalim, c'est. Dohalim, c'est Tales of Arise. C'était pour être situé dans l'histoire. Bah écoute, j'ai juste. Donc je suis devenu berger, comme tu l'as vu. Et j'ai fait juste le petit donjon en dessous. Et notre ami Séraphin, bah il était un peu. On s'est engueulé avec lui. Et lui est parti. Il est parti de son côté. Il a dit qu'il nous attendrait à l'auberge, mais il n'était pas à l'auberge. Donc voilà. Elle est classe, elle. Mais tu es cool, Alicia, allez. Tu te dévalorises. Tu es super cool. Hey, il y a un coffre là-bas, mais je pense que celui-là, je ne pourrais pas l'ouvrir. Je pense que je ne pourrais pas l'ouvrir. Non? Si? Non. Ok, d'accord. C'est pas le moment, en plus. Pourquoi il marche comme s'il avait quelque chose dans son fondement? Bon, ben, j'ai pas entendu tes explications. Par rapport à quoi? Encore les pubs? Mais enfin, c'est pas possible. Il faudrait voir si Niala, si tu oui, voilà, j'ai commencé avec le petit donjon. Ben, j'ai fini le donjon
le petit donjon à l'aqueduc, là, en dessous de l'aqueduc. Et on s'est engueulé avec, avec l'autre Serapha, dont j'ai oublié le prénom. Parce qu'il était, il avait l'air jaloux de Leila. Et donc voilà, il est parti de son côté. Donc le but, c'était de le retrouver, je présume. C'est cool, je suis à cornet de téléphone. Salut Zetterfox, comment tu vas? Et Zetterfox, si tu vas être content de savoir que on a fini Tales of Arise et maintenant on était dans Tales of Zestria où il y a autant de dialogues et autant de scénettes, donc tu seras très content de l'apprendre. Donc voilà. Il faut savoir que Zetterfox, on a fait la fin de Tales of Arise ensemble et il était un petit peu lourdé. Il était un petit peu lourdé par le nombre de scénettes et de cinématiques qu'il y avait. Donc, je pense que c'est gentil Zetterfox de passer, mais je pense que tu risques d'être autant lourdé par la même chose, puisque on est dans le même type de jeu. Mais sois le bienvenu. Une heure d'affilée de dialogue, ouais, c'est vrai que la fin c'était lent. La fin, franchement, sincèrement, c'est vrai que la fin, c'était un peu exagéré. Sincèrement, même pour un Tales of... Mais seul bienvenue, ça fait plaisir de te voir, en tout cas. Et d'ailleurs, fais un petit coucou à Niala qui vient d'arriver dans le monde de fou, dans le monde du stream de Fashram, avec des gens aussi bizarres les uns que les autres, et moi le premier évidemment. Ouais, une heure entière, c'est vrai que c'était beaucoup. Mais Tales of, ça parle beaucoup, oui, effectivement. Et comment s'est passée ta journée, mon petit Zetterfox? Pourquoi elle laisse chaque fois un morceau de... C'est bizarre, elle laisse chaque fois un morceau d'étoffe sur où elle passe. Est-ce que c'est pour dire, je sais pas, à établir une règle de cinématique? Oui, c'est vrai. Et donc ici, on doit aller écouter ce qu'Alisha a à dire. Ben oui, mais elle est, je présume, au... Je présume au truc au sanctuaire. Hein. Ma journée, Tears of Kingdom. Ah, tu l'as eu enfin! Ah, ça c'est cool ça. Ah, je suis content pour toi. Je suis content pour toi, c'est cool. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi tout. Ce serait déjà Zavaid que tu as croisé. Non, j'ai pas croisé Zavaid comme Séraphin. Non. Tiens donc.
Je vois plus qui t'a croisé. Ben, j'ai croisé. Mais c'est l'autre, hein, le quand je parlais du Séraphin, le Séraphin avec qui on a commencé, j'ai oublié son nom. Là, avec les cheveux bleus, là. Et j'ai croisé personne, mis à part. Non, j'ai croisé personne de particulier. Et pas de Séraphin, en tout cas. Mikleo, merci, voilà, Mikleo. Ça fait deux jours et j'en suis même pas à cœur du jeu. Non, oui, bah, ça, clairement. C'est, ça, je peux comprendre. Hein. C'est pas fait pour être fini en deux jours, le Zelda. Oui, celui qui est avec moi, oui, c'est ça, celui qui m'accompagnait, oui. Ah oui, vous allez devenir mes écuyers. Allez. Allez, petit personnel, allez. Cire mes pompes. Et pourquoi est-ce que j'ai plus de son? Ah, ok. Ouais, c'est juste une mauvaise coupure. J'ai même la tenue A Link of the Past. Oh, la classe. Et alors, la console, t'en es content? Ah oui, prends-moi. Prends-moi comme écuyère, Sarai, s'il te plaît. Ah oui, je peux lui donner un nom. Je peux l'appeler Poupette. On peut pas les renommer. Ça aurait été cool. Mais c'est tout pourri. La console n'a rien à dire, les couleurs sont très belles. Et ensuite, ça fait Switch, quoi. Mais c'est là, on est bien d'accord que c'est la console, le modèle Zelda, Zelda quoi. Ah ben voilà, il est là. J'ai un peu l'impression que Mikleo, il va mal tourner. Parce qu'il est bouffé par sa jalousie. Et je pense qu'il va avoir un sale bail avec lui. Ah oui, donc on peut équiper Alicia. Lance forgée. Ok, habit de combat. Ouais, blablabla. Un nœud de feu. Ok. On va lui laisser attaque plus 4, ok. Peut-être pas. Maybe, maybe not. Ah oui, et les manettes sont classe, mais le plus stylé, c'est le dock. Bah oui, j'imagine, ouais, c'est là où il y a le plus d'espace pour refaire des jolies pâtures. Hein. J'aime bien parce que Niala, elle sait tout, mais elle divulgue rien. Et elle a bien raison. Je veux savoir que c'est Niala qui m'a soufflé... de sa douce voix, parce que j'ai commencé. Oui, bah oui, c'est, bien sûr, c'est mieux. J'avais commencé un autre Tales of qui se passait dans le même monde que celui-ci, mais sans le savoir, je les avais. Oui, clairement, t'as tout à fait raison. J'ai commencé dans le mauvais sens, donc. Après, il n'y a pas d'obligation de commencer dans un sens ou dans l'autre, mais c'était mieux de commencer par celui-là, donc. Yala m'a gentiment conseillé de commencer par celui-là. Et je lui fais confiance. Et pour le moment, franchement, j'ai eu plutôt raison de lui faire confiance. Alors, où qu'on va, qu'est-ce qu'on fait ? Forêt d'arrondi, donc c'est... Donc on doit aller vers le nord, c'est ça ?
Donc ça doit être là-bas. Ça doit être là-bas, je présume. Il n'y a pas de bon ou mauvais ordre, mais tu comprendras trop de choses trop vite en le faisant dans l'autre ordre. Oui, oui, ok. Je me mets en lurk pour des raisons évidentes. De Zelda, bah oui. Mais t'as clairement raison. Alors quoi, lorsque l'armature s'est activée et que vous ne faites rien, appuyez sur R2. D'accord, ok. C'est R2 pour... C'est R2 pour l'activer. Oui, mais est-ce qu'il y a moyen que... Pourquoi elle bouge pas Attends, pourquoi... Attends, parce que... Pourquoi les deux personnages ne bougent pas? Ils sont pas... À mon avis, ils sont mis en automatique. Oh, ils sont mis en manuel. Et À mon avis, j'ai fait une connerie. J'ai dû faire une connerie. Cette info que je vois pas du tout pour... Quelles pourraient être ses raisons? Ouais, j'imagine bien. Est-ce que je peux le mettre d'ici? Attends. Ah oui, stratégie, voilà. Je puissant, je vais le PV. Oui, mais... Attends. Ah oui, c'est ça, donc... L3, changer le mode de contrôle. Attends. Annuler les commandes. Mais pourquoi est-ce qu'elle... Attends, tu sais quoi, je vais me barrer parce qu'à mon avis, il y a quelque chose que j'ai mal fait. Comment je fuis? Je fais de la merde! Mais faites quelque chose, bordel! Vous êtes complètement con! Non, en plus ils ont des PV à rallonge. C'est pas possible, attends, c'est pas possible. Fuite impossible, hein, génial. Elles vont creuser. Elles vont se laisser bêtement crever comme ça. En fait, c'est... Putain, en fait, ok, d'accord. C'est du didacticiel, d'accord. Et puis c'est pas R2, c'est R1, en fait. D'accord, purée. Ils ont l'air de pas... Ben voilà pourquoi est-ce qu'elle... Maintenant elle... Ben oui, j'avais essayé d'appuyer sur R2. Mais enfin... Qu'est-ce que ça ?
J'avais essayé d'appuyer sur R2, je te promets. C'est bizarre. Attends, comment on les met en automatique et tout ça? Non, c'est pas là. Attends. C'est pas possible, il y a un truc que j'ai mal fait. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Tu vas prendre quoi? Un casque? Où est-ce qu'il y a un casque? Mais j'ai pas de casque, moi, j'ai que mon casque. Casque bleu? Quel casque bleu? Il est en haut, je pense. Moi, je l'ai pas ici. De rien, mon cœur. Normalement, tu ne contrôles que le personnage. Les autres sont d'office en auto. Non, bah oui, il me semblait. Tu peux juste influencer leur comportement avec des stratégies, mais c'est tout. Bah oui, bah, il me semble, ouais, effectivement. Attends, on va refaire un combat. Ça me semble logique, en fait. Attends. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais... Attends, lorsque l'arme battue s'est activée, appuie sur... Ok. Ah, c'est L1, l'arme battue. D'accord, ok. D'accord, ok, ça va, ça va. Désolé, c'est moi qui ai fait le boulet comme d'hab, en fait. C'est moi qui fais le boulet, ok. Les performances varient selon le séraphin en raison de temps de chargement. Enfin, c'est quand même compliqué, hein. L'air de rien, c'est quand même... Il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte, hein. Est-ce que je suis sur le bon chemin, là? Bah, pas du tout, il me semblait bien. Ah, ça, j'avais activé, je pense. Ouais, ok. Ah, d'accord, je peux pas aller par là, en fait. Ok. En fait, il faut que je prenne le pont par là pour... Ok, d'accord, d'accord, d'accord. C'est pour ça que j'avais dit... oui, que t'as mis du temps à la maîtriser. Bah oui, oui, franchement, c'est pas... Oui, franchement, les combats, c'est pas... C'est pas le côté le mieux réussi du soft, ça, c'est vrai. Donc on est bien d'accord, c'est par là, hein. Ok. Parce qu'il faut... Il faut se souvenir de toutes les touches et tout et tout. Après, c'est expliqué, c'est vrai, voilà. Ah, ça vient avec la pratique, je présume que ça vient avec la pratique, hein. Parce que j'ai eu plein de didacticiels depuis le début, hein. Donc c'est bon, il n'y a plus de... Ah, bah voilà, ok. Quand il n'y a plus de didacticiels, c'est bon. Et je sais pas comment je vois que l'armature est à fond, par contre. Tous les artefacts suivent un certain potentiel qui permet d'augmenter vos statistiques, d'affaiblir celles de l'ennemi, d'affliger des affections, de voler des PV. Ok. Les bases sont simples, mais une fois qu'on gratte un peu plus loin, ça devient vite complexe. Oui, mais clairement, quoi.
franchement, clairement. Ça a pas l'air comme ça, ça a l'air d'être un tout petit RPG gentil, machin, mais l'air de rien, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Hein. Regarde s'il y a rien, non, il y a rien du tout. Mis à part un serpent qu'on va dégommer sans aucune forme de respect. Quasi à chaque combat, t'as un texte de didacticien. Alors, c'est certains arts martiaux ont chance d'améliorer vos statistiques si vous les utilisez. Les statistiques affectées sont déterminées par l'élément d'art. Par exemple, l'art lame du tigre non alimenté augmente votre attaque. Il est bon d'étudier le lien entre les éléments et les statistiques. Ouais, mais une chose à la fois, hein, parce que moi je veux bien, mais ça fait un petit peu beaucoup. Oh, le joli poids de vue! Ça fait très Final Fantasy comme ça, avec le titre qui se déroule. Lunettes de soleil. D'accord, donc ça c'est un élément visuel, j'imagine. Par contre, les grands décors comme ça, avec les ennemis en milieu, ça fait un peu pitié quand même. Mais après, voilà, ça, c'est pour l'époque, quoi. Mais par contre, j'aimerais bien savoir comment on voit que l'armatus est plein. Je pense que c'est le truc qui doit être plein là-bas, le petit 2 qui doit monter à 3, je pense. Je pense que c'est ça. Vous recevez des points après chaque combat. Vous obtenez plus si votre style de combat est particulièrement démonstratif. Et les points augmentent le niveau de bénédiction, ce qui vous confère plus de grâce. D'accord. D'accord. Allez, on va lancer une petite sauvegarde. Ah. Tac. Ok, bon. Oula, la musique qui se coupe d'un coup. Ah, mais ça a l'air sympa ici. Et effectivement, hein, comme j'avais dit en début avec toi que ça avait l'air tout léger, tout sympa et tout ça. Et effectivement, j'ai vu des aliens essayer de bouffer un mec. Effectivement, c'est un peu moins. C'est un peu moins sympa que. En fait, il n'y a rien à faire ici. Non, il n'y a rien à faire ici, ok. Rien de spécial à faire ici, ok. Ouais, donc il faut aller par là. Faut aller par là, continuer par là. Comme changer les arts, c'est pas super intuitif. Franchement, je fais un petit peu. Je fais un petit peu à l'arrache. Hein. Parce que quand je vois. Ouais, c'est assez bizarre, hein, franchement. Ça, je sais même pas à quoi ça correspond. Ah, et si j'appuie rien en fait, ça. Ah, c'est un peu. Enfin, voilà, c'est assez difficile à. Ah, ben voilà, le mode de commande, si tu peux le mettre, regarde, tu vois, tu peux le mettre sur. Semi-auto, manuel. Ah, oui, ok, effectivement. Et en soi, on peut faire les combats en auto, hein, comme ça on se prend pas la tête. Hein.
Bah, quoi que les bêtes combat de meubles comme ça, je vais les laisser en otage, comme ça je me casse pas la tête. Ah non, c'est non, parce que sinon je vais pas, j'apprendrai jamais à me battre, donc. Alors, haut de Havrelac, devant les grandes chutes de Morgan. Nord-est, village de Kilf. Ouest, village de, ruine de Galad. Okay. Il y a beaucoup de références aux légendes arthuriennes. Hein. Galad, les chutes de Morgan. Alors, blablabla, blablabla. Cinq éléments de statistiques. Attaque non élémentaire, paralysie. D'accord. D'accord, ok. Si tu le dis. Oula, il a l'air vénère, lui. Il a l'air bien vénère. Wow, 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 purée. What? À moins que je me trompe, pour la martyrisation, il faut que ta jauge des JP soit au moins à 1. Ah, d'accord, ok, donc je peux l'activer. Ok, bon, je pense que je ne vais pas trop l'affronter, lui, en fait. Je reviens où ? Ah, ça va, je vais sauvegarder. Ouais, je venais juste de sauvegarder, en fait. Mais je pense que... on va le laisser tranquille, lui. Je pense qu'on va le laisser légèrement tranquille. Et qu'on va gentiment le contourner. Ah oui, je me suis fait dresser par le loup là-bas. Ah oui, effectivement. Est-ce que tu penses que si je fais l'aromatisation, je pourrais l'affronter ? Non, on va le laisser tranquille. Hein. On va pas faire de... On va pas faire de game over d'un coup, ce serait quand même... C'est juste que j'avais oublié ça. Oui, les monstres uniques à affronter quand on voulut. Bah oui. Mais c'était la même chose dans Tales of Arise. Hein. Au tout début, je suis arrivé contre une menthe niveau 42. J'étais niveau 5. J'ai arrivé, ouais. Et puis la menthe a fait, ouais. Et moi, je suis mort dans le plus grand des calmes. Ça doit être là, hein, je présume. Hein. Ah ouais, c'est ça, on peut dissiper. Ah, le serpent qui regardait le monolithe, il était en train de lire, mais enfin, on le dérange. Alors, les faiblesses et les résistances. Pendant l'aromatisation, les combos de faiblesse diffèrent de ceux en mode normal. Mais oui, comme si c'était pas assez compliqué déjà. Quel que soit le nombre de coups enchaînés, le multiplicateur de dégâts reste à l'écran jusqu'à ce que la jauge de dégâts en dessous du total de dégâts se vide. De plus, les dégâts augmentent à chaque fois qu'un art différent du même élément est utilisé. Ainsi, pensez aux faiblesses de l'ennemi lorsque vous activez une aromatisation et utilisez divers arts pour atteindre des niveaux de dégâts dévastateurs. Ils feront l'objet d'une quête, les monstres... Oui, j'imagine.
Cibler un ennemi. Le ciblage vous donne des informations. PV, la catégorie des faiblesses. Mais je vois pas comment, comment j'ai toutes ces informations-là. J'ai pas eu l'impression de voir toutes ces informations-là. C'est moi qui dis peut-être des bêtises, mais... Sorbet à la mangue. Oh, c'est mignon. Une petite... Attends, que j'essaye. Si je cible... Ah oui, effectivement. D'accord. D'accord, ok. Elle a pas fait gaffe, ça. Ok. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois, une page de texte d'explication de tout, en fait? Parce que je les ai... En plus, il y a des pages que j'ai déjà eues, il me semble, sur les niveaux de difficulté et tout ça. Bizarre. Alors, que je regarde un petit peu le plan. Ok. On détruit les pauvres bébêtes qui vivaient là paisiblement. Fiole de résurrection. Ok. Ouh. Un arc elfique. Ah, je vais pouvoir être... Le pouvoir tirer à l'arc ? Purée, c'est compliqué. Mais il est dégueulasse avec Mikleo d'un côté, parce que... Pauvre gars, quoi, il a suivi... Ça a l'air compliqué, mais c'est pas autant que ça. C'est dégueulasse pour lui, parce qu'il a, il a suivi partout et tout, et il... comment dire... Il le ghost sans aucune raison, quoi. C'est quand même pas sympa. C'est vrai que d'un côté, à la place de Mikleo, je suis pas complètement... Je suis assez d'accord avec lui, en fait, c'est dégueulasse. Les pas rapides, ça c'est déjà expliqué.
Allez, viens ici, saloperie. C'est par là. Je commence à comprendre 2-3 trucs. Je vais faire le tour pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs à choper. Ah, mais si. Des plantes. Du romarin. Classe, on va pouvoir faire un barbecue. Ça, c'est la classe. Alors. Rien du tout. Non, une espèce. On a une espèce de. D'escalier. Qui descend dans les ténèbres. Moi, j'imagine bien que c'est l'autre escalier donné par là aussi. Ok. Vous risquez de rencontrer des ennemis qui semblent bien trop durs avec. Il faudra peut-être monter de niveau pour éliminer ces ennemis, mais il est également utile de réviser les connaissances jusqu'à ce que vous avez acquises jusque-là. Vous détenez peut-être déjà la clé pour vaincre ces formidables adversaires. Possible. Ah, je t'ai vu, toi. Deux coffres. Un anneau de terre, hein. Et un habit d'ambre. On va regarder. Ah, divinité auto, mode normal. Lorsque le personnage contrôlé perd des TPV, il active. Ah, je peux pas l'utiliser, ok. Il me manque combien de points? Il me manque 3 points, d'accord. On verra ça au moment où ah oui d'accord, donc il faut que je fasse le tour quand même, ok. Allez, let's go. On va se faire. Vous m'excusez, on se fait un max de combat. Hein, histoire de monter le niveau. Bon, on est dans un RPG, hein, vous savez bien. RPG. On est obligé de taper des bêtes qui n'ont rien demandé à personne. Pour pouvoir sauver le monde. Hein. Et puis d'un autre côté, c'est que des serpents et des chauves-souris, donc. Voilà. C'est pas comme si c'était des bébêtes toutes mignonnes. Tout le monde sait que les serpents, les chauves-souris, il n'y a rien de plus diabolique que ça. Hein. Ça, j'avais regardé, hein, ça, oui. Okay. Je stresse maintenant parce que j'ai toujours l'impression de rater un truc. Allez. Okay.
Alors. En face, ça a l'air d'être un cul-de-sac. Ouais, c'est une porte qui mène juste là, en fait. Ok, d'accord. Est-ce qu'elle peut s'ouvrir? Oui. Oh, des portes automatiques. Enfin, mécaniques, en tout cas. Et un coffre. Gelée de pommes, d'accord. Ok, on est un petit peu à l'étroit, mais ça va aller. On va faire de la place. Voilà. C'est dans l'autre sens. J'espère que vous ennuyez pas trop avec les combats à répétition comme ça. J'ai toujours peur de désintéresser. Malheureusement, pendant les combats, il n'y a pas grand chose à commenter. Hein. J'essaye de rendre le stream le plus sympa possible, mais bon, c'est pas toujours possible. Quand je suis concentré dans les combats. J'essaye, mais bon. Ah bon, après, je suis à moulin à parole, donc c'est pas trop un souci. Mais bon. Je ne suis pas toujours tout le temps inspiré autant que ce soir. Il y a des fois où je suis un petit peu down. Donc... Encore des plantes, du safran. Vous savez que c'est l'épice la plus chère au monde, le safran. Sa cote dépasse même le prix de l'or au kilo. Ouh. Allez. Crève, ça l'a pris. Ah oui, ils sont les mecs, ils étaient Ah, il faut bourrer, on n'a pas le choix. Voilà. On nous vole régulièrement en magasin. Ah bon? Ah merde. Après, malheureusement... Ah, voilà notre ami Miclio. Après, c'est vrai que c'est malheureux. Mais c'est malheureusement. Ça va être de plus en plus, j'espère vraiment pas, mais. Mais c'est vrai que. Le monde de. La vie devient tellement chère de nos jours que. Si on ne voulait que ça d'ailleurs. C'est-à-dire. Mais c'est super classe quand même. Qu'est-ce qu'on vous vole d'ailleurs comment dire?
Le plus souvent, je présume que c'est c'est de la bouffe. Parce que l'alcool est le... Quoi que l'alcool, ouais, c'est peut-être plus... T'as activé l'armatus avec L1. Ok. Mais c'est méga classe. Go, go, Power Ranger. Oui, mais là, je vois plus rien du tout. Donc, c'est pas très agréable à l'écran. C'est assez perturbant de... Voilà. Le plus souvent, je sais pas, mais ils sont créatifs. Vas-y, raconte! Pour réussir à cacher les trucs, je présume. C'est vrai que j'ai déjà vu des compilations de voleurs en magasin et tout ça. Avec des fois, c'est assez... C'est un petit peu comme dans le pari, le pari ou les trois frères. C'est dans les trois frères, je pense, ouais, dans les trois frères où t'as Didier Bourdon qui met un truc dans une charrette d'une vieille et où il part avec plein de trucs. Enfin, madame, etc. C'est pas scandaleux, etc. Ah ben ça va, il est plus fâché, Micléo. Ah mais purée, ça va vite son pouvoir là. Il y a trois quarts d'heure, elle entendait toujours pas les séraphins, maintenant elle les voit. Elle était dégueu, je trouve, avec Micléo quand même, hein. Formation de groupe. Lorsque les bergers préparent le pouvoir de purification pour le combat, les séraphins peuvent aussi accéder s'ils ont un humain pour le canaliser. S'il serait et le seul humain du groupe, seul un c'est... Ah, d'accord. Voilà pourquoi, ok. D'accord, je comprends un peu mieux. 22 sur 31. Ah mince, j'en ai... Il m'en manque un. Appuyer sur rond après avoir lancé un art séraphique pour enchaîner avec un art séraphique à un niveau supérieur si vous en avez appris un. Bon bah écoute, on va l'utiliser. Hein. Enchaînement magistral. Après 3 combos, maintenez R2 pour consommer un JP et restaurer 50 CS et lancer un autre combo offensif. Ah, c'est sympa quand même ça. Ok, bon, ensuite. On devait aller où en fait? Ah oui, juste là, ok. D'accord, allez, ben c'est parti. Alors, le butin ennemi que vous éliminez en combat a deux fois plus de chances. Le premier ennemi que vous allez éliminer en combat a deux fois plus de chances de laisser à butin. Si vous cherchez une certaine pièce d'équipement, utilisez la commande attaque concentrée pour cibler des ennemis qui laissent tomber ce butin. D'accord, ok. Pardon, excusez-moi. Diadème d'ambre. Oui, c'est vrai que j'ai pas regardé l'équipement de notre ami Micléo. Ah ok, d'accord, donc en fonction, j'ai le pouvoir d'un séraphin ou de l'autre. D'accord, donc si je place... attends. Comment est-ce que je peux déplacer les... Version de remède.
soit progressif. Et lui, c'est préparation de requin ou détection trésor. Écoute, on va mettre détection trésor. Hein. Ok, donc ouais, donc c'est ce que je disais. Comment je peux faire pour déplacer Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. C'est juste. D'accord. Désolé, je découvre encore plein de choses. M'en voulez pas si je galère encore sur quelques trucs. Mais j'essaye de bien comprendre tous les tenants et les aboutissants de tout le... Ouais, non, je vais pas aller par là. Je vais après. Tous les tenants et aboutissants du bordel. Aile de démon. Ok, c'est des ornements, donc... Faut pas t'excuser. Oui, je sais, mais j'ai toujours... En fait, j'ai toujours peur de... En fait, j'ai... Blablabla, blablabla. Oui, ça, je sais, ok. En fait, j'ai toujours peur de vous embêter, en fait. De... Voilà. J'essaie juste... En fait, ça a toujours été le truc, c'est que... et la même chose pour mes vidéos YouTube, et etc. Quand, à l'époque où je faisais la rétro story. Et même en général, quand je suis en stream, quand j'anime, etc. Je mets toujours à votre place, sans vouloir faire le mec qui prend un petit peu de haut les gens. Pas du tout. C'est... je me dis, moi, qu'est-ce qui me plairait de... Voilà, qu'est-ce que j'aimerais voir? Et je me dis, j'ai toujours l'exemple, pour moi, ma chaîne Twitch, que ce soit ma chaîne Twitch ou sur mes vidéos YouTube, vous pouvez retrouver cet esprit-là un petit peu, c'est que j'ai toujours l'impression, vous êtes un pote qui est assis avec moi, en fait, qui est assis juste là. J'ai une chaise juste là, qui est vide en plus, c'est vrai. Voilà, j'ai eu l'exemple, moi, quand j'étais plus jeune, c'est que on n'avait pas toutes les consoles, etc. Et on allait chez le pote qui avait la console qui avait la console, quoi. Et t'avais toujours une personne qui regardait ou... il y a des fois où on joue ensemble, mais je veux dire, pour certains jeux d'aventure, des RPG, etc., etc. Et moi, comme j'ai fait beaucoup de RPG, je veux dire, on était tout souvent dans cette dynamique-là. T'avais toujours un pote qui regardait. Et moi, à l'époque, la première fois que j'ai fait Final Fantasy VII, je me souviens, c'était chez mon frère, parce que mon frère venait d'emménager, hashtag vie ma vie, et mon frère me regardait jouer. Et je pense que c'est venu de là, en fait, le fait que, voilà, on avait toujours des petits commentaires sur le truc, je lui expliquais, ah bah tiens, ça c'est ça, ça machin, etc. Parce que lui était beaucoup moins intéressé et il regardait pas toujours avec moi. Mais moi j'avançais dans le jeu, etc. Et je lui expliquais, ah ben non, mais machin, il y a truc, hein, etc. Et je pense que ça vient peut-être de là, le délire du pour moi, vous êtes dans le même divan, enfin dans la même pièce que moi, et je vous explique machin, ce qui se passe, etc. Je vous explique ma manière de voir les choses, et c'est pour ça que j'ai pas envie de vous embêter, en fait. J'ai envie que vous restiez sur la chaise à côté de moi. Voilà. Et voilà. Ah, c'est cool, Mikleo, il fait frigo aussi.
Allez, je me tais pour une fois. Ça servit à rien que je me teste, parce qu'il n'y avait pas grand chose. Ouais, donc moi, c'est ce que. Enfin, je voulais revenir là-dessus. Le truc, c'est que vous sentiez bien dans un endroit cool et que vous ayez envie de rester. C'est ça mon but. Non pas pour le watch time ou quoi que ce soit, je m'en fous. Moi, je veux partager quelque chose avec vous, quoi. Voilà, c'est tout simplement ça. Quel que soit le jeu, quel que soit le moment, quel que soit qu'on ait passé une mauvaise journée, qu'on ait passé une bonne journée, etc., etc., bah, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse se marrer, qu'on puisse des fois débattre, des fois être pas d'accord, des fois se marrer ensemble, des fois, il y a des moments où t'as passé une super mauvaise journée et tu dis je vais peut-être essayer. D'aller voir le stream pour me changer les idées, et puis tu comptes, quoi. Je veux dire, la personne qui vient, je prends des nouvelles d'elle, etc., etc., on discute, il y a un truc qui me fait chier, on en parle et tout, et ça permet un petit peu de se délester d'une mauvaise journée, d'un mauvais événement, etc., etc., ou de partager des bons événements ensemble, et c'est toujours cool. J'aime bien parce que d'un bête truc, j'en fais 3 heures de monologue absolument inintéressant, mais c'est ça mon esprit en fait. C'est pour ça que je vous explique que c'est ma manière de voir les choses. Voilà, voilà.趣味なんですの。お手紙書くのが。目が覚めたか、スレイ。そっか。また倒れちゃったんだ。ミクリオが。おかげで腰が痛い。スレイが浮いているように見えてね。宿には手品師だと説明しておいたよ。<笑>騙すのは苦手なんだけど。無理をしないでください。まだ寝ていた方が。俺なら平気。 Le berger a parlé, en fait, c'est ta gueule, quoi. En gros, le berger a parlé. Bon, on va regarder un petit peu l'équipement, quand même, parce que ça fait un petit temps. Boucle d'oreille d'ambre. Ah oui, gilet naturel, on peut clairement on peut clairement le modifier, donc ça aussi. On va aller voir tout ça. Il y a quand même des trucs qui m'interpellent, les titres et tout ça. Comment je vois? C'est pas très clair ce truc-là. J'imagine bien que en fonction des titres que j'utilise, j'ai d'autres. J'ai d'autres arts, mais. C'est assez bizarre. Soit. On avait déjà sauvegardé, donc on va pas re-sauvegarder derrière. Ensuite, bon, il faut que j'aille chercher un Séraphin qui deviendra le seigneur de la terre. Chercher le père Brunor. Ah oui, c'est vrai, il avait disparu. Enfin, il était en ville, je pense. Mais on va aller d'abord voir là-bas si on peut fusionner de choses. Pardon. Il y a des mantiques rubans, non, ça je peux pas changer. Par contre, le gilet naturel, je peux faire gilet naturel plus 3. Je peux faire gilet naturel plus 4. Et je peux faire gilet naturel plus 5. Ok.
Voilà. Ça, je peux pas le changer puisque l'autre est équipé. Tac. Ah, mais non. Non, non, je vais pas. C'est celui-là que je vais. Voilà. Le Séraphin de la Terre, je l'adore. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai hâte de voir, du coup. Pote de combat... avec une histoire assez intéressante. D'accord. Ah bah écoute, c'est cool. J'ai hâte de voir ça. Je ferais bien peut-être de mettre un anneau de terre du coup. Si on doit se battre. Ah, j'ai déjà un truc au max. Ah oui, l'épée antique était au max. Ok. Donc est-ce que je peux peut-être... Ah, j'ai une promo. Ah oui, donc ok, d'accord. C'est si en fonction de l'amitié que tu as avec le vendeur, et t'as sûrement des trucs en promo ou un truc comme ça. J'en ai déjà une. Donc je pourrais faire une tierce dent plus 1. C'est ça? On va essayer, on va voir. Tire-dent plus 2 même. Voilà, ok. Let's go! Donc en fait toi si parce que tu parlais de vol etc etc je présume que tu travailles à la caisse du coup ou tu travailles au rayon ça doit être chaud quand même là-bas parce que à la caisse ils sont vous êtes toujours debout hein. L'air de rien, c'est, ça doit quand même être assez fatigant hein, de rester toujours toujours debout. C'est partout dans le magasin. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, tu es polyvalente. Mais non, c'est le maître mot, hein, malheureusement, dans beaucoup de magasins. C'est la polyvalence. Hein, et dans beaucoup de postes en général. Hein. Moi, où je boulotte, c'est aussi... tu te dois d'être particulièrement polyvalent. Hein. Après, ça fait partie... c'est un des avantages aussi... de ça, c'est que... tu ne t'engonces jamais dans un boulot où tu fais exactement la même chose, etc. etc. Donc... Ok, d'accord. Ouais, c'était pour le sanctuaire, hein, monsieur, normalement, non. Donc, oui, voilà, tout à fait. Tout à fait, ça permet de varier. Et les journées passent plus vite, oui, clairement. Et
tout le monde va se mettre à genoux ou quoi? Ok, donc à la recherche maintenant du Séraphin de la Terre, si j'ai bien compris. Cherchez un Séraphin qui deviendra le Seigneur de la Terre. D'accord. Et il est où ce Séraphin? Je vais bien, mais... à l'époque où je ne connaissais ni l'existence de ces huit créatures. Que les réparations du pont au sud d'Avrelac qui produit coteau de Falcon doivent bientôt commencer. Nombreux ouvriers vont se rassembler là-bas. Je crains qu'ils ne soient des proies tentantes pour les aliens. Peut-être devrions-nous nous assurer qu'ils vont bien. D'accord. Donc on va peut-être... On va peut-être quitter justement... et retourner au haut d'Avrelac. À mon avis, c'est par là qu'il faut aller. Vers le sud, c'est ça? Ah oui, ce fameux pont, je présume. Ah, on va relancer une petite sauvegarde. Hein. Je présume que ça doit être par là. On va voir. Au pire, ça nous fait une petite balade. Et en plus, il y a un coffre là-bas. Il y a un combat en plus. Ah oui, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse... Qu'on puisse aller jusque-là. Ouais, non, on est bloqué à mon avis. Ah mais non, même pas. On change de zone. Ok, ouais bon, c'est bien effectivement là qu'il faut aller. Ah, quel temps de merde. Je croirais en Belgique. Oh, une marmotte. Génial, on va dégommer des marmottes. Ouais. C'est vrai que j'ai pas regardé que j'ai des nouveaux arts en fait. Mais non, j'ai pas de nouveaux arts. Ah, écho brûlant, d'accord. Ah, d'accord, en fait, en fonction de... D'accord, en fonction de l'armatus, j'ai des arts différents. Allez, dégommons des marmottes. Ouais. On va dégommer des castors ninja. Ah mais purée, mais c'est quoi ces marmottes de fou là?
une nouvelle action en combat, d'accord. Franchement, je te dis honnêtement, c'est assez... t'avais vraiment raison dans le sens où tu disais que il y avait beaucoup de choses à comprendre. Oh, une pieuvre. Techniques diverses de la section du combat de niveau, découvrir de nouvelles interactions non conventionnelles. Ça ne peut pas faire de mal d'aller relire certains sujets que vous avez maîtrisés au cas où cela déclencherait de nouveaux exploits. Ouais, bon, chaque chose en son temps, hein. Forcément, vu que l'armatus dépend d'une séraphin et que chaque séraphin utilise un élément différent. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que c'est assez logique. Ah, c'est la fameuse ouvrière, à mon avis, cette puce est quelque chose. Comment peux-tu le faire aussi beau à Damlac quand il pleut des trombes ici? C'est plutôt logique que le pont ait fini par être emporté par un déluge pareil, mais il y a de quoi se poser des questions. Ouais, effectivement. Ah, il n'a pas l'air d'avancer beaucoup, hein. Alors, je veux bien qu'il y ait du... Je veux bien qu'il y ait du courant, mais... Mais ça a été mal monté. Je suis le berger, bitch. Ah non, c'est pas un monstre, c'est... Ah si, c'est un monstre. Barrez-vous! Ok, boss! Attends, résistance à la terre et au vent. D'accord, donc... attends, comment je suis encore pour eux? Ah voilà. Blaf. Au, 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 au. Allez, 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 allez. Alors, on va le
tuer. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Voilà. Obtenu. Orbe anormal. Talisman de maîtrise du vent bourrasque. Après une bataille. Blablabla. Ok. Changer de Seraphas, ça j'ai compris. Ah merde, c'est quelqu'un en fait. Ah, elle a l'air d'en savoir pas mal sur le sujet. Enfin, c'était toi, oui et non, quoi. Donc demain, du coup, tu seras pas là. Uno. Demain, tu seras pas là probablement pour la suite. Je reprendrai le stream probablement de 9h, 10h vers jusqu'à midi et demi, un truc comme ça. Et donc tu fais quoi comme ça? Enfin tu fais un temps plein alors du coup? Ou est-ce que tu fais à 30 heures semaine ou... Comment ça se passe en fait? Mais oui, Ophélie Winter, par exemple. Parce que Dieu me donnait la foi, puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Et oui, je connais les paroles. Oui, je connais les paroles, je sais. Je suis vieux, purée, je suis vieux. Qui est cette personne qui nous stalke sans aucune gêne? Ok. On prend une petite sauvegarde ici. Alors. Si on essaie d'aller par là, est-ce que par là on peut aller? Juste par curiosité. Oh! Oui, elle arrive comme un. Chaussettes. Déjà, il y a un coffre là-bas. Ah,
Ah, une lance, ça c'est cool. Mais on va décimer toute la planète comme ça, avec, en butant tous les animaux. Enfin. Où est Brigitte Bardot quand on a besoin d'elle? Purée, mais... Ok, c'est quoi là-bas? Oula, ça a pas l'air trop sympa par là. Crête des esprits. Il y aura un trésor tout près? Ah oui. La sauge. Pas trop actuellement dans la région de Rayfolk. Les gens qui s'approchent trop de la montagne ont tendance à disparaître. Restez à bonne distance, compris? Ok, on peut pas y aller. Bon, bah on va retourner au haut de Havrelac, hein. La purée, mais... C'est vrai que j'ai oublié... La course libre est toujours disponible avec L. Déplacez-vous avec L2 plus... Mais non, ça va, t'inquiète. Vous pouvez esquiver des arts. Même pendant la pas en avant. Ouais. Les dégâts infligés sont réduits de moitié à utiliser lorsque la situation s'y prête. Je vais mettre ça. Voilà. Ok. Bon. On va retourner au haut de Havrelac. On va retourner voir les arts martiaux, blablabla. En d'autres termes, si vous étourdissez un ennemi en plein milieu de combat, arrêtez d'attaquer en dehors avec un art martial, ce qui vous permettra de remplir votre jauge de puissance. D'accord. Oh! Est-ce que... Ah non, il nous en manque encore... Deux... Voir... rééquiper les pas sur le côté, ou les pas en arrière, pardon. Oui, on avait activé ce truc-là. Okay. Allez. On va retourner à Havrelac.
Adam Lac, pardon. Est-ce qu'on peut fusionner encore des trucs? Ah oui, j'ai oublié de... Rah, j'ai oublié de lui équiper la lance. Voilà. On peut rien faire de plus. Ah si. Tac. Non, non, non. Ok, on peut rien. Ah! On peut acheter des nouvelles armes. Ça, c'est cool, ça. Lance d'ambre, j'ai déjà. Bâton d'ambre. Alors Zorb, je l'ai déjà équipé, je présume. Alors, papier antique, ouais, ça c'est. Ouais, je pense que je lui ai déjà tout équipé. Alors, c'était au quartier de la noblesse, donc c'est par là. C'était pas par là, c'était l'autre. Moi et mon sens de l'orientation. Pas là l'autre mon père Bruno. Ah oui, il faut retourner à mon avis au, non pas au quartier de la noblesse, mais plutôt à au sanctuaire de la dame. À mon avis, c'est peut-être là, c'est plutôt là même. Ah ouais, voilà. Il est là. Il est beau. Il est frais. Oh. Masani kiseki no chikara. Warera no sonzai o mattaku kanjite inai yō da na. Kono seisui, kokoro shite matsurasete itadakimasu.
天族ウーノ様、二日ものですが、どうぞ末永くよろしくお願いいたします。だが、真摯な男のようだな。 Oui, par exemple. やってみるよ。やれやれ。手間がかかるね。私も微力を尽くします。どうした？まだ強い汚れを感じる。総統区はない。街中だ。そっちは王宮の。それが天族との会話というものですか？独り言にしか見えません。Aha. ハイランド内務大臣バルトロ閣下の使いです。レディーレイクのために進駆されている同志スレイを私的な食事会にご招待したいと。見張っていたのか、スレイ。とんでもない。驚いていたところですよ。限りなく低いとはいえ、王位継承権を持つハイランド王女が。 Mais non, on n'a pas des relations intimes. Ah, qu'est-ce que tu vas t'imaginer là? Ouais, on va bouffer! Ok. Bénédiction restaurée. Seigneur de la Terre, vous avez désormais accès au menu Seigneur de la Terre au point de sauvegarde, là où le Seigneur de la Terre est débloqué. Le nombre de points reçus au combat augmente automatiquement le niveau de bénédiction de la zone. Lorsque vous touchez à point de sauvegarde, quand le niveau de bénédiction augmente, vous avez accès à des grâces dotées de divers effets. Voyagez vers un point de sauvegarde. En échange de guild, vous pouvez voyager entre des points de sauvegarde déjà visités. Attribuer des grâces. Active diverses grâces disponibles en fonction du niveau de bénédiction. Offrez des objets pour recevoir des points. Ah oui, ok, d'accord. Vous pouvez activer des grâces qui feront effet dans le domaine du Seigneur de la Terre tant que vous ne dépassez pas le coût total du maximum des grâces. Les grâces sont pour la plupart des effets liés au combat. Augmenter le niveau d'action ajoute de nouvelles grâces et relève le coût total maximum. Vous pouvez augmenter. D'accord. Ok. Laissez les coffres au trésor pendant quelques temps après les avoir vidés et ils se rempliront automatiquement de nouveaux objets. Oh, c'est cool ça! Je sais par cette grâce, vous pouvez vous déplacer entre la boîte de sauvegarde. Vous avez déjà atteint en échange de guild. Bah écoute, voilà. C'est cool. On peut offrir des objets. D'accord, on verra bien ça plus tard.
D'accord, ok. Allez, bon, on va faire une petite sauvegarde. Des boulettes de riz. D'accord, des éléments en cuisine. Pâtisserie chaude, il y en a pas beaucoup, hein. À part des fondants au chocolat. Mais on s'en fout. Ok. Purée, ça enchaîne les scénettes. Ok. Et voilà. On va faire la petite sauvegarde. Et il y a un coffre là-bas. Eh, mais on peut pas l'ouvrir, je pense. Ah oui, il est verrouillé. Ok, voilà, les amis. Encore une belle séance, franchement. Encore une belle session, c'était très cool. 1h10, je pense que l'heure est venue à, au dodo. Moi, je sors doucement, mes yeux se fermaient, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. On aura encore bien avancé, donc c'est cool, franchement, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Niala, pour ton conseil avisé. Pardon. Et voilà, merci à tous ceux qui regarderont la rediff sur YouTube. Merci, voilà, merci à tout le monde. Prenez bien soin de vous. Que tout se passe bien pour vous. Et voilà. On se voit une prochaine fois. C'était Vacheram. A plus. Ciao, ciao.